Yon douzaine immigrants qui ont marché à pied dans la caravane pour arriver par bord aux États-Unis, puisque l'objectif c'est demander asile, avant même que pied touche les frontières, eh bien, il y aurait l'administration Trump-Lan, ensemble avec le département Homeland Security et la justice, ils ont fait ça, ils ont lawsuit. Dans le lawsuit, là, ça, ils ont dit que ils ont violé les droits qu'ils ont gagnés. En bas, cinquième amendement, pour être capable de gagner ça, il y a un due process. Qui veut dire que lorsque vous faites une demande, la loi dit, mais gens, ça supposé faire, vous supposez attendre, vous supposez passer devant le juge, une procédure. Donc c'est ça, il dit, droit violé. Si vous ne voulez pas recevoir et demande d'asile, vous droit violé. Si que normalement, vous ne pouvez pas passer devant le juge, c'est ça, vous demandez là. Donc, yo une violation de due process que yo gen droit suivant cinquième amendement dans la Constitution. En fait, cinquième amendement clair sous ça, il dit personne moun yo pas ta supposé que ça ta relé pour que ce soit case criminel, que ce soit pour ta mettre en prison, il dit déprivé de liberté li sans que pa gen sa relé yon due process de la loi. C'est ça, cinquième amendement dit. Tout le monde a le droit à ça. Okay? Dans un report qui te paraît dans PBS, il a cité exemple Anthony Scalia, qui c'est un juge dans la Supreme Court, qui te prend décision en 1993, côté que l'idée clairement établie, suivant cinquième amendement, que tout alien, il pas fait distinct, tout alien, tout individu, a le droit à due process. De la loi dans une procédure de déportation. Tout le monde, qui doit être illégal, quel que soit l'agent, il a le droit pour un process. Dans sa deportation procedure. Okay? Maintenant, les gens qui fait leur sous ça, là-dedans, il y a 13, 12, là-dedans, c'est Honduras à ce sorti, et il y a 6 personnes, et avec 6 autres grands monde, c'est eux-mêmes qui plaintif dans leur suite ça. OK? Et c'est on leur suite que file, je dis que se passe là dans le district court Washington DC. Et maintenant, ils ont fait comprendre que je ne dis à tout le monde qu'on est très bien que tout le monde qui sorti Guatemala, on dit à Salvador, monde ça yo, il y a assez de documents qui montrent que dans zone ça yo, il y a une crise humanitaire. Et ils ont dit que ils ont fait leur suite ça parce que administration pas suivre ça les procédures administratives qui fait donc yo passé outre de ça la loi dit. N'a pas rappelé pour tout le monde on a parlé là que caravane li gen à peu près 4000 monde là dedans. Maintenant lorsque ça yo si toi tu attention sur ça président Trump dit côté que dit il a empêché monde dans caravane yo entrer aux États-Unis. Donc yo dit que un président, quel que soit le président, qui trouve le Trump, quel que soit Jean Réléa, ou pas qu'à empêcher un monde chercher asile avec une force militaire. Toutes les fois que le monde a gagné un claim qui est valable. Dans ce sens, il a critiqué le président Trump qui a joué sous la pérèse hystérie la Kaimounio pour le faire comprendre que c'est des criminels et des gangs qui sont dans la caravane. Yo cité interview que Trump a fait dans Fox News avec Laura Ingraham, côté président, dit que l'Ipral construit s'entarelle des séries de tentes pour le capable mettre tout immigrant. OK? Donc, yo t'a posé question, qui objectif l'Ipral construit tente ça yo? Maintenant, il a dit, est-ce que c'est un genre Trump a fait pour démarquer ça nous relève? Gombaga yo relève Flores Agreement. Flores Agreement l'a dit que bon, quantité de temps que vous pas qu'un bon monde dans prison, vous supposez la guerre. OK? La prépète de vous, Flores a dit maintenant, li empêcher gouvernement kembe yon illégal immigrant de manière indéfinie dans prison. C'est ça le dit. En certain limite, il faut la guerre. Eh bien, pendant ce temps que, dossier a continué dans mon juge, c'est ça qui dit. Et, non, moi, et juin juillet sommet qui se passait là et administration t'a cherché pour être capable rejeter
pour accord Florence. Mais le fédéral juge dans Californie, eh bien, il n'a pas accepté de demander ça. L'administration te voulait porter une modification dans accord Florence là, qui t'a permis que tu aies famille pour plus longtemps en détention. OK? Donc, il a fait comprendre que tu as une autorité pour voir. Pour yo te capable terminer agreement ça. Donc agreement ça son problème lié pour yo, n'a répété pour nous. Agreement Floresta, li dit que gouvernement pa ka kembe illégal immigrant nan détention de manière permanente. C'est ça le dit. Donc à un certain moment de la durée, faut que yo lage moun yo pendant ce temps que processus judiciaire là a continué. C'est comme ça lié. OK? Et président Trump t'a annoncé dans gros discours que te fait jeudi tout que lui pensait qu'actuellement, il y a une grosse crise sous frontière là. Parce que lui dit que bon bon monde qui a fait demande d'asile, c'est des asiles asile qui frauduleux, il n'y a pas chita sous rien. Et lui fait comprendre que lui pourra très bientôt demander pour moun yo, si vous besoin de faire demande d'asile, c'est par port entrée. Ça veut dire, c'est non. Il faut paraître en face sous frontière pour tout agent ou avec pour faire demande. Donc il t'a fait comprendre que si vous êtes entré de manière illégale ou pas de jouer aucun agent ou elle fait des modes, eh bien lui-même l'a cherché ouais, pour le capable d'inayer. En fait, on nous dit que c'est une action illégale parce que causer des mandats d'asile là, pas valé de que faut qu'on bouge dans un port. Il dit n'importe qui qui sur le territoire qui est entré de manière illégale, qui est entré en bas fil, en bas code, qui est entré sous bateau, ou capable de faire demande d'asile ou des pour au gain un an pays. C'est ça la loi dit. OK? C'est ça qui gagne la donne. OK? Et parce que loi fédérale là justement lui permet que moun yo fait asile quel que soit gens yo rentrer dans pays. En fait, non même là sous ça, yo fait comprendre que les États-Unis pas ka pas doué. Vous voyez ça t'a les troupes militaires sous frontière Mexico pour capable barrer caravane pour yo capable de traverser frontière. Je bien dit, les États-Unis pas qu'à voyez, monde pour empêcher de traverser frontière. Parce que suivant la loi, même garde national n'est pas capable. Parce que depuis immigrant a indiqué intention pour l'appeler à asile, et mes procès ça continue. La répétez vous. Depuis immigrant dit moi-même moi voulais appeler pour asile, qui tout est garde sur frontière, qui tout est soldat, ou pas qu'à dire non. Et ça, les deux procès ça. Donc, immigrant qui a cherché asile, normalement, ou supposé voyer dans interview pour capable pour déterminer est-ce que les gens ont peur crédible. Est-ce que ça l'a dit au crédible? OK? C'est un officier qui a déterminé si immigrant, effectivement, a peur qui crédible, s'il a subi persécution. Et ça lié. OK? Donc officier a pas gain pouvoir pour le faire détermination ça. Mon officier, un soldat pas qu'à déterminer est-ce qu'effectivement monde ça effectivement le cas une persécution qui crédible. OK? C'est pas job officier à ça. Mais c'est tout ça qui gagne dans le sous ça que vous faites là. C'est comme quoi yo ouvri cabane bien bonnet avant même immigrant arriver sur frontière. Si aucun n'importe action tu apprends pour que un juge capable d'être en bloqué lui s'il a cherché empêcher mounio parce qu'il pas qu'à empêcher mounio faire demande d'asile toute demande d'asile nous supposons étendre suit ça le doux process c'est qu'on ça causé à là OK nous devons poser un update sous l'ensemble de ça que moun nan caravane qui beaucoup même aux États-Unis gain temps laguer mettre la pour Trump en attendant que lorsque arriver pour connaître qui action président Trump pral fait. OK, nous devons porter un update pour se causer ça. OK? En attendant de fois, nous dit tout que Pentagone dit lui-même c'est pour que vous voyez soldats mais pas vous pas voyez aucun soldat pour faire face avec migrants. Mais c'est pas un soldat. La loi interdit soldats pour agir sur territoire national. Département de la sécurité t'es souhaité que pour soldats venir nous ensemble de bagailles et Pentagone automatiquement dit non, il n'y a pas qu'à faire causer ça. Si vous faites celle si c'est ton cap, si on papier, ce n'est pas job. Il y a des dans la logistique,
y a des bagages médicaux, mais quand tu as les opérations de terrain, ce n'est pas job. Yo. Et ils ont été clairs sur ça, Pentagone, pas dans la logique ça, soldats yo aller, ce n'est pas pour causer ça. Yo. En fait, en pile monde comprendre que son aberration, tout, comment faire pour gagner à peu près 4 pour ou gagner 4 000 moun ka bini ou voye 5 000 soldats? Qui pa make aucun sens. Ça veut dire, plus que yon soldat pour un grand monde, qui pa make aucun sens. En pile moun comprenne que, justement, yon utilise cause ça pour faire lobby parce que nous allons avoir des élections. Parce que, ça nous a le caravane, hein, nous faisons ça. C'est pas ce Trump l'a fait. Tout président qui passe aux États-Unis, pour arriver dans le mois de novembre, dans le mois de ça, il y a un mouvement caravane. Année dernière, novembre dernier, t'es gen caravane. Chaque mois de novembre, toujours gen mouvement caravane. C'est pas en première fois que n'a gen. Donc, 4 000 moun ou tu vas voir 5 000 soldats. It just does not make sense. Donc, c'est juste pour créer la pérèse, la kay moun, yo panique. La kay moun ensemble de moun, ça n'a rien de ces deux moun qui très attachés, faire comprendre qu'ils sont menacés, qui se li pour le défendre. Mais en clair, chaque mois de novembre, toujours gen caravane. Et tout autant que des misères dans l'Amérique centrale, on a toujours une caravane. Et DHS, département de la sécurité, c'est toujours préparé pour eux. C'est comme ça, lié. On a toujours gagné des moyens préparés pour nous. On a toujours gagné. Okay? Donc c'est comme ça, vous dire, vous n'avez pas besoin de dramatiser causer parce que vous avez une élection 6 novembre. Là, vous allez comprendre que vous avez attaque, attaque, on a attaqué nous qui est, c'est des civils. Okay? À tel point que vous arrivez dans un niveau dans un Texas, mes amis, vous faites comprendre que il y a des gens qui prennent des armes, sont pas des hommes, qui disent qu'ils prennent des armes, ils vont sous frontière à tout, ils vont défendre la patrie en danger, qui créent des ordres, véritable des ordres. Okay? Et nous sommes très contents pour nous détendre des séries de journalistes dans Fox News qui prennent courage à des bras pour dire non, mes amis, en fin de camp, des ordres, ça. Pas de nous pas en guerre, pays pas en guerre, pas de menace nationale, pas de emergency. Fox News, tu es obligé, journaliste, tu es pour courage, pour faire mon affaire. Pas de menace imminente, pas de ça parler des envahisseurs. C'est des séries de monde, des caravanes des immigrants, qui ça y est, c'est des séries de monde, pays y a un problème, y a une sécurité, y a un grand goût, y a un bon problème. Y a là-dedans, normalement, qui effectivement, qui a des persécutions. Y a là-dedans, qui a des demandes d'asile, qui crédit. Comment ça, tout le monde, qui faut là-dedans, qui pas des demandes, qui crédit. Eh bien, que le processus fait, genre qu'on a habitué fait, tout l'autre président qui passe dans le pays, il a toujours fait, tout président, de Obama, passé pour Clinton, passé pour George Bush, Reagan, whatever, tout, tu as toujours fait face avec caravane et il a géré normalement. Pas de aucun envahisseur, pas de aucun guerre qui est dans le pays, c'est un bagage normal, il a traité, genre qu'on a habitué à traiter. Ok? Donc c'est comme ça pour nous comprendre l'histoire. Donc, nous te disons, nous avons update, vous êtes connecté, inscrit pour nous capables de faire un update sur tout ça qui a dominé l'actualité nationale et internationale. Portez-nous bien.